Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Kabylie, en Algérie, même l'arbitrage est anti-Kabyle. Un match GSK Mouloudia, un nul où les Kabyles ont été lésés par l'arbitre. Bien que le Mouloudia d'Alger soit déjà sacré champion d'Algérie, la GSK a été grandement lésée par un arbitrage scandaleux, un arbitrage anti-Kabyle qui a peut-être travaillé sur des commandes le dimanche après-midi au stade de Tizi Ouzou pour le compte de la 27e journée du championnat d'Algérie. Les joueurs kabyles ont accentué la pression d'emblée contre le Mouloudia d'Alger avec une rage de vaincre impressionnante. Dès les premières minutes, les Canaries ont multiplié les assauts et ont réussi dès la 7e minute à ouvrir le score par Berken. Les joueurs de la GSK ont dominé la rencontre jusqu'à la fin et ils étaient même capables de gagner le match avec un score plus large. Malheureusement, l'arbitrage était scandaleux, un arbitrage purement anti-Kabyle. Il a tout fait pour faire gagner les Algérois. Un favoritisme de l'arbitrage qui était flagrant durant toute la rencontre, ce qui a provoqué la colère des joueurs kabyles et surtout des supporters qui sont venus nombreux pour supporter leur équipe. Ils ont tant espéré une victoire pour une place au podium et jouer une compétition internationale l'année prochaine. Mais l'arbitre de la rencontre en a décidé autrement, sûrement sur les ordres des caporaux de l'armée d'Algérie. Le Mouloudia a égalisé par un but marqué aux dernières minutes par Merzougi. Ainsi, la GSK reste à la 7e place avec 37 points au compteur et risque de perdre tout espoir de participer l'année prochaine à la Coupe d'Afrique. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer. Avec 3 euros par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne, ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître.